Merci beaucoup, papa. Quelle grâce. Quelle grâce. Te connaître est vraiment une grâce. Amen. On peut prendre place à sa présence. Tu es même merveilleux, Adonai. Wow. Nous avons beaucoup passé du temps à sa présence, dans son amour, comme ça. On peut crier, on peut gémir pour les âmes. Passe du temps à sa présence. L'adore. On lui dit à quel point il est beau. Waouh. Notre bien-aimé. L'amour de notre vie. L'alpha. Le premier et le dernier. C'est le chant latin, c'est le premier et le dernier. Dieu est tellement bon. On peut. Waouh, quand je suis comme ça là, mes amis, là, ça a commencé ce matin. Sa présence est venue dans la chambre. Oh, alléluia. Oh. Waouh. Nous sommes dans ce jardin d'amour avec notre bien-aimé. Et le seul, le seul, le seul. Le seul mérite à toi. C'est le pasteur des pasteurs. Le seul mérite à toi. On a volé sa gloire. Pris sa place. Le cœur de beaucoup de chrétiens. Les idoles ont pris place. Et tu lui es là. Oh Père, lorsqu'on voit les nuages, ce chef-d'œuvre, on ne peut y voir que la gloire de Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, l'immensité de l'univers, comment les eaux se forment dans le ventre d'une femme enceinte, la naissance d'un enfant. Waouh, le Père est vraiment magnifique. Tu veux le désir de mon soi. Tu veux le désir de mon cœur. Tu connais les paroles en face. Dans ma vie de chaque jour, me force à te ressembler. Juste un peu. Je ne connaîtrai personne qui s'approche de ta maison. Unique et véritable, c'est toi. Oh, ma miracle, c'est toi. Oh, toujours. Unique et véritable, c'est toi. Oh, la miracle, c'est toi. Thank you.
c'est beau. Ah oui. Ceux qui ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Non. Non. Yeshua. Il faut faire sa découverte. Il faut faire sa rencontre. Ah oui. C'est plus que tout. Il est mon rabbi, c'est ça? Ok, d'accord, amen. Amen. Il est mon rabbi. Tu veux le sentir, il est mon rabbi, c'est ça? En tout cas, tu veux l'aimer. Wow. Il dit un mot et la chose arrive. Ça, c'est notre Jésus de Nazareth. Il sait comment parler aux femmes. J'ai vu des femmes avec des yeux verts, des yeux bleus, des yeux de toutes sortes de couleurs, tout ça. Mais le jour où j'ai vu le regard de Yeshua, je suis tombé amoureux. Oh, j'aimais les femmes. Mais depuis là, mes amis, là, quand même. Une belle femme, quand même une belle femme passerait devant moi, je vais toujours la comparer à la beauté de Jésus de Nazareth. Jésus est parfaitement parfait. Oh. Il est dignement digne, grandement grand, profondément profond, hautement haut, longuement long, largement large. Oh, alléluia. Énormément énorme. Éternellement éternel. Quand on parle de lui, le ciel s'ouvre. Les anges regardent. C'est ce qui se passe présentement. Le faisceau de lumière tombe du ciel ici. Je vous dis. Oh, alléluia. Tu vois, tu peux même pas t'asseoir normalement parce que tu es amoureuse, parce que tu es amoureux. Le pan de sa robe vient quand c'est comme ça. Vous vous direz, mais qu'est-ce que c'est parce que je ne sais pas. On n'est pas religieux, on se laisse conduire. Voilà. Jésus de Nazareth. Il est allé voir Lazare, mort depuis plusieurs jours. Et depuis 4 jours, il était dans sa tombe. Il dit à sa famille, allons au cimetière. Marthe, sœur de Lazare, dit Seigneur, il sent déjà. Il est pourri. C'est fini. Oh, Jésus. Jésus de Nazareth. Il dit, allons-y. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Allons-y. Il dit, ôtez la pierre. J'imagine ces gens en train de rouler cette grosse pierre, de la pousser de toute leur force. C'était une grande scène. Une grande foule était convoquée au cimetière. Il y a convocation et convocation. Le Seigneur convoque parfois des gens à des endroits bien précis. Désert, cimetière. Mon Dieu, j'aime. Oh, je t'aime de tout. Je t'aime. L'amour de ma vie. Vous savez, on n'a pas donné une belle voix, juste sa présence. Et lui dire ce qu'on ressent pour lui. Je veux que tu tombes amoureux de lui ce matin. Que tu le découvres autrement. Il dit, ôte la pierre. Lazare était retenu par 2 démons. Le premier, c'était le démon de la mort. La mort. L'ennemi le plus terrifiant, le plus terrible de l'homme. Et qui sera le dernier à être complètement anéanti. Et le deuxième démon, c'était Hadès. Hadès, l'enfer, le Sheol. Le démon le plus craint chez les Grecs. Jésus arrive. Lazare est en prison, enchaîné. Son esprit, bien sûr. Et quand on va chercher un prisonnier, on ne va pas bien sûr rester devant la prison et s'adresser au prisonnier directement.
On va passer par le directeur de la prison, parce que c'est lui qui a les clés. Il faut passer d'ailleurs par un juge qui va, n'est-ce pas, donner l'autorisation de sortir. Maintenant, Jésus, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même le juge. Il n'est pas seulement le juge, il est l'avocat. Oh mon Dieu. Il arrive devant la prison, il dit Lazare. Vous savez, il ne s'est même pas préoccupé de la mort, du démon de la mort ou de l'enfer. Il s'adresse directement à Lazare. Il dit Lazare, sort. Mes amis, quand Jésus parle, la mort exécute. Quand Jésus parle, Satan exécute. Mes amis, Satan ne peut même pas tuer une mouche sans demander la permission au Créateur. Un jour, Satan se promène, il se balade, il arrive dans le pays de Hut, il voit un homme. Il attaque, il n'a pas réussi. Vous savez pourquoi? C'était Jean, vous savez pourquoi? Littéralement, tu avais mis un rempart autour de lui et autour de ses enfants. Satan n'attaque rien, il n'attaque rien. Et Dieu dit, Satan, d'où viens-tu? Il dit, je me promenais, j'étais ici et là. Il dit, as-tu considéré? C'est ça l'hébreu. N'as-tu pas considéré mon serviteur Job? Tu n'as pas considéré. Il dit, Job, parce que tu as mis un rempart autour de lui. Voilà pourquoi je n'ai pas pu l'atteindre, ni ses enfants. Et Dieu dit, ok, je t'autorise à toucher à sa famille et à sa vie, à sa chair, mais pas à sa vie. Dieu! Non. Les gens entendent parler de Dieu. On nous a présenté un Dieu qui veut ton portefeuille. Un Dieu qui a pris ton portefeuille. Ça, c'est pas le Dieu que nous servons. Non. Jésus, quand je l'ai vu dans ma chambre ce jour-là, je n'y croyais pas, c'était quelque chose de terrible. La lumière est rentrée dans ma chambre à 3h du matin et je vois cet être glorieux. Il est majestueux. Il descendait, il contrôle l'apesanteur, il contrôle le temps, l'espace, il contrôle tout. Il descendait. Quelle majesté, quelle gloire. Il dit, je suis Jésus de Nazareth. Frère, indépendamment de ma volonté, je me suis retrouvé à genoux. Regarde devant lui, tout genou fléchi. Oh oui, tout genou. Vous savez comment Satan parle à Jésus? C'est pas face à face, il ne peut pas. On ne peut pas s'approcher du soleil, ça doit être consumé. Quand il parle à Jésus, il est à genoux, de loin, à genoux, la tête par terre, la face contre terre, et il parle au Créateur. Jesus Christ, Jésus de Nazareth, quand Jésus se lève de son trône, quand il se met à marcher, tous les archanges, les grands anges, il y en a qui font 4, 5, 6 mètres, 7 mètres, ils sont à genoux, mes amis. Quand il marche, c'est des fleurs de toutes sortes qui chantent pour la nature céleste, chante à sa gloire. Les pigeons, quand ils recoulent là, ils parlent, ils chantent, ils disent gloire au Créateur. Oh mes amis, les œufs, les vagues, tout ça, ça donne gloire à Dieu. Hier à la maison, un oiseau est en train de chanter. Je dis au frère, l'oiseau, j'ai reçu l'interprétation. Il est en train de dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis Seigneur, mais c'est terrible ce que tu veux entendre là. Oh Seigneur de gloire, que tous ceux qui respirent. Thank you.
espace existant. Comme quand il se passe ces choses-là, ne peut pas rentrer. Les vagues viennent, ne peut pas rentrer. Voyez, c'est compliqué. Seigneur, sauve-nous. Vous voyez pas sa nuée qui commence toujours. La nuée de Dieu. J'attends quelque chose qui. Attends quelque chose. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Assez. Il veut que tu découvres son amour. Toi qui es blessé, toi qui en as marre, toi qui es fatigué, toi qui es déçu, toi qui te sens seul, incompris. Délaissé, abandonné, abusé. Oui. Jésus. Soyez là, dans sa présence. On y reste. On y reste. Ah. Le Père t'aime, jeune fille. Le Père t'aime. Sait que tu l'aimes de plus en plus. Il sait que tu veux le découvrir encore et 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 encore. Il a un plan parfait pour toi. Je parle à quelqu'un ici, de la part du Seigneur. Tu lui demandes ce qu'il attend de toi. Il a un plan parfait pour toi. Tu es lié à Jésus. Tu es son prisonnier. Comme Paul disait, je suis prisonnier de Christ. Voilà pourquoi tu ne peux pas, tu ne peux plus te sauver. Tu ne peux plus le fuir. Tu ne peux plus. C'est toi le conducteur. N'est-ce pas que nous venons devant ton trône? C'est toi qui décides ici. Des jeunes filles vont découvrir l'amour de Dieu. Touchées tellement par l'amour du Père qu'elles ne voudront plus que les hommes touchent leur corps. Des jeunes hommes vont être tellement touchés par l'amour de Jésus. Qui vont être enflammés, qui vont aller enflammer les Antilles, les îles. Je vous dis, il y en a ici, Dieu me dit, va les prendre, va les amener au ciel. Ils vont voir, ils vont entendre des choses comme Paul. Il va les ramener. Il va leur dire, allez, allez crier. Ils ne sont ni théologiens, ni pasteurs. C'est des amoureux, simplement. Ils sont amoureux.